Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Si ce sont deux thématiques qui te passionnent, deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner à la chaîne. La deuxième, c'est de cliquer sur la notification afin de recevoir gratuitement notre expérience sur le business et sur l'entrepreneuriat. Et surtout, j'ai oublié, la troisième chose, c'est que va dans la barre de description, là où tu pourras nous suivre et écouter nos podcasts sur onshore.fm. OK, aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur gabonais qui est à la base un ancien rappeur. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de son parcours parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que c'est quelqu'un qui a apporté un plus dans au niveau de l'influence, au niveau de la jeunesse gabonaise, et on ne pouvait ne pas continuer l'aventure guerrier mental sans pourtant parler de lui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'invité dans cette émission afin qu'on parle de son parcours, parce que voyez-vous, on a tellement de talents dans la communauté africaine, mais souvent ce qui arrive, c'est qu'on ne prend pas tout le temps de s'arrêter un instant pour parler de ces personnes-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai pris de ce temps-là, et aussi il m'a donné de ce temps-là pour qu'on parle de lui. Alors sur ce, on est parti. C'est why. Bonjour, bonjour la famille. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Ok. Donc bonjour à toi, Warren, et bonjour à tout le monde. Et merci, merci à toi et ton équipe du Guerrier Mental pour m'avoir invité. Donc voilà, on est là. On va essayer de faire ça comme on peut. La barbe est un peu poussée avec le corona et tout ça. Et voilà, je voulais aussi commencer par te remercier, mais aussi te féliciter sur ce que tu fais, quoi. Parce que c'est top. On a besoin de ça. Nos gens ont besoin d'avoir une plateforme où ils peuvent s'exprimer. Et nos gens qui sont au pays ou même ailleurs ont besoin de savoir un peu ce qui se fait, mais aussi ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Donc, c'est ça. Ok, merci. Merci. Ben, écoute, déjà pour commencer d'entrée de jeu, qui est Waïda Madja? Écoute, Waïda Madja, c'est un rappeur, hein? C'est un rappeur gabonais. Non, non, moi c'est Yorick. Ok. C'est mon nom de rappeur, en fait, quand je rappelle, c'était Waï. Et puis le Damaja est venu d'une rime que j'avais faite dans une chanson et tout ça, avec Naya Bingi, avec Mauvaise Haleine et tout, Zorbam. Donc salut à toute la famille, à tous les membres de cette entité-là. Et je suis un jeune fils du Gabon, de Libreville. Mes ascendances, je suis une descendance de différentes ethnies, de différentes provinces, mais je suis né et grandi à Libreville. Maintenant, en disant ça, je dirais que j'ai grandi à Libreville, mais j'ai grandi à Libreville dans pas mal de différents quartiers. Donc, il y a au moins 4 ou 5 quartiers où on peut te dire que ouais, le petit, là, il vient d'ici. C'est parce qu'on a beaucoup bougé, on a beaucoup déménagé. Et ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de gens, d'avoir un network où je suis un Librevillois de Libreville, quoi. Voilà. Quoi d'autre que qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et en deuxième, quel est ton parcours académique en fait? Quelle est ta quelle qu'est-ce quelle la formation dans ton background en fait? Ben écoute, ça commence à l'école mixte d'Ovando. Je suis dans les Ovando, Ouattara, tout ça, machin. Et puis, ah non, non, même pas, hein. En fait, je commence à l'école publique d'Akébé 2. Parce que je suis un enfant des Akébé, par ma tante qui est la première à m'éduquer, à m'élever, pendant que ma mère est en train de faire ses études universitaires. Donc, normalement, quand je nais, ma vie est à l'UOB, et puis elle a une bourse pour sortir du pays ou quelque chose comme ça. Et donc, ma tendre enfance, c'est dans les Akébé, c'est à Bellevue, c'est dans le Mapane. Et on fait ça, on commence à l'école publique d'Akébé 2. Je suis encore petit. Et puis après, je vais à l'école mixte au Vindo parce que là,
La vie a eu le temps de revenir et puis elle nous récupère et puis on va maintenant à la SNI. Et donc je grandis à la SNI. Je suis toujours, tu vois, non, à cheval entre la SNI et à Québec. Mmh. Et Bellevue, pardon. Et puis, après, quand j'ai mon concours d'entrée en sixième, je suis admis au lycée d'État, l'Estuaire. J'étais un enfant, un élève un peu gros, donc. donc, ouais. Donc, je vais au lycée d'État de l'Estuaire, au lycée d'État là-bas. On prend le bus, hein, on prend le bus pour aller au lycée d'État. Donc, tu imagines, de la SNI, tu prends le bus jusqu'à la gare routière, de la gare routière, tu prends le bus jusqu'au lycée d'État. Donc, tu fais tout Libreville en diagonale, quoi. Ouais, et ouais. Tout ça, c'est des grandes étapes qui font ma personnalité. Et puis ensuite, quand j'ai le bac, donc après un moment, j'ai fait quelques allers-retours en France. Toujours un peu trop bourreau, donc ça ne marche pas autant que possible. Et puis bon, les bras ne sont pas longs, donc il n'y a pas trop le colo pour rester aussi en France comme ça. Donc, je suis ramené au pays. Et quand je rentre au pays, je finis à Léomba. Et quand je finis à Léomba, c'est là que j'ai eu mon bac. Donc, de la seconde à la terminale, j'étais au lycée d'État, lycée national Léomba. Et je finis mon bac là-bas. Et une fois que j'ai mon bac, je bouge au Canada. Au Canada, j'ai fait des études en économie et finance. Et de là, je rentre un peu au Gabon parce que j'ai eu des problèmes, des petits problèmes. Mais après, je viens aux États-Unis. Donc, et voilà. Donc, depuis les États-Unis, je n'ai pas repris l'école, mais c'était plutôt l'école de la vie, l'école de la rue. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question ou pas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Okay. En fait, j'en viens un peu qu'on reste un peu légèrement sur ta jeunesse un peu. Okay. Comment est-ce que la rencontre se fait et la création du Naya Bingi Squad, en fait? Est-ce que tu peux un peu nous relater un peu les faits historiques? À la base, Lord Ekomindan et moi, on se rencontre très, très tôt, justement, à l'école mixte d'Ovindo, l'école conventionnée d'Ovindo. On est petit, on a peut-être, je ne sais pas moi, 7 ans, 8 ans, bref, très très tôt, M16 et moi, on est ensemble. Et on commence d'ailleurs un groupe, parce que c'est lui qui aime souvent faire les choses, les groupes et tout ça. On commence un groupe peut-être de ninja ou bien de policiers, en tout cas un groupe d'action spéciale. Ce n'est pas encore le rap. Mais c'était déjà dans le karaté, les machins. Moi, j'étais seulement dans la bagarre. Et voilà, on était ensemble comme ça. Et on se revoit donc parce que nos parents sont aussi amis, ils ont des relations, donc on se rencontre plus tard. Mais on se connaissait déjà et lui, il était à fond donc avec Matt dans le rap déjà étant petit parce que le grand frère Yannick Damba faisait beaucoup de choses, était très actif. Donc 16 et Matt ont suivi la tendance et ont amené ça encore plus haut. Donc, le Pussy Bad Breath, qui ensuite devient Mauvaise Haleine, existe déjà en tant que noyau au lycée Léomba, pendant que moi, je suis au lycée d'État. Mais donc, quand je fais les allers-retours et que je finis maintenant au lycée Léomba, on se retrouve tous là-bas. Et bien sûr, on n'a jamais perdu le contact, mais en même temps, on rencontre aussi d'autres éléments qui, eux, étaient déjà avec 16 parce qu'ils avaient formé à côté la Bug Drama. Donc les éléments de Mindoubé, les éléments, il y avait beaucoup d'éléments là, les éléments aussi de Carrefour Sobraga, hein? Okay. Donc les Dia, Ice et tout ça, donc beaucoup de talents qui avaient plus ou moins été attirés par plus ou moins les mêmes choses. C'est comme ça qu'on se retrouve, la majorité d'entre nous, pas 16, mais le reste, jouaient au basket aussi. Moi j'étais beaucoup dans le basket, donc c'est autour du terrain de basket et autour de choses de rap qu'on se rencontre. Les stats, c'est la même chose. C'est le lycée Léomba. Au départ, c'est un basketteur. Il est un peu grand, il est costaud, il vient de France, il est très sapé, tout ça. Et c'est un dangereux MC. C'est-à-dire que lui n'avait pas besoin d'écrire.
C'était mental, il faisait des freestyles, c'était des trucs de fou. 16 et maths aussi était comme ça. Donc, il y a Dia qui est là aussi. Il y a Gabi, le frère de Dia. Il y a un élément très, très important de ce truc-là aussi, c'est Ice. Amon Tambo, ICI, qu'on appelle, qui d'un autre côté, donc du côté du village, tout ça, c'est mon cousin, Mayumba, hein, on représente. Et voilà, donc c'est ça, c'est comme ça qu'on forme la Bimbi Squad, parce que on est tous intéressés à l'histoire africaine, on est tous intéressés à d'où viennent nos ancêtres, on est tous intéressés à qui nous sommes exactement, et on se découvre tous des talents différents qui se complètent et on dit mais pourquoi ne pas voilà faire quelque chose avec ça et donc c'est comme ça qu'on roule donc voilà une histoire. Ok, et pendant cette différente trajectoire-là, vous avez Ouais. monté un concept que j'ai grandi avec, que j'entendais souvent, qui est le ministère de la rééducation. Qu'est-ce que ça sous-entendait en fait? C'était Ministère de quoi la l'objet? rééducation, merci pour la question. Le ministère de la rééducation, ça venait d'un slang, un jargon qu'on parlait où on coupait les mots. Donc, effectivement, c'est le ministère de la rééducation. Mais voilà, pour faire stylé, on dit le ministère de la rééducation, et puis ça marchait avec beaucoup de rimes. Mais c'était tout simplement parce qu'on avait reconnu très tôt que l'éducation qu'on nous donnait au Gabon et dans laquelle on nous forçait, d'évoluer n'était pas quelque chose qui était propice pour nous, n'était pas quelque chose qui nous mettait en valeur et définitivement nous rendait plus ou moins, pour rester dans le système mental, esclaves mentaux. On devenait des esclaves mentaux de l'Occident parce que tout ce qu'on apprenait, c'était la grandeur de l'Occident, c'était comment ils ont fait telle chose et. Quand je parle avec certains amis de ça, moi je leur dis qu'en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'on fait au Gabon, parce qu'on exporte, exporter, non, on importe un peu pratiquement tout du Gabon, ben, ce qu'on fait aussi au Gabon, c'est qu'on importe aussi la culture. Et ce que ça fait à un enfant, c'est que plus tu nourris l'enfant avec la culture d'ailleurs, et plus quand il grandit et qu'il devient un adulte, son souhait, c'est d'aller ailleurs. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on se retrouve dehors et que quand on est au Gabon, on dit qu'on oh, nous fatigue, on entend les choses traditionnelles, on dit oh, vous nous gazez, le Gabon, ah. C'est de là que ça vient. Et c'est comme ça que nous tous, on veut maintenant devenir Ricains, Français, de Marseille, de Paname, de Brooklyn, et que le Gabon et nos propres richesses, nos propres choses, ne nous disent plus grand-chose. Donc, le ministère de la rééducation, c'est justement un concept que nous avons créé parce qu'on a reconnu tout ça. Et on avait des grands qu'on avait autour de qui on gravitait plus ou moins, des gens comme Grégory Nguamensa, des gens comme Akinenge, même si on ne gravitait pas encore autour de lui, on écoutait beaucoup ses textes. Et Cheikh Anta Diop, parce que. Il y avait beaucoup d'éducation autodidacte dans ce qu'on a fait. Tu vois, il y avait ce que les parents voulaient qu'on fasse et ce qu'on allait faire à l'école. Mais on trouvait que c'était pas suffisant. Et nos cerveaux avaient faim, nos esprits avaient faim de connaissances. Et on savait qu'il y avait quelque chose là. Et donc, en lisant Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et tous les révolutionnaires aux têtes là, de la nouvelle conscience nègre, ça nous a amené à comprendre que déjà à valoriser qui nous sommes. C'est comme ça qu'on aurait pu s'appeler MC Super, je ne sais pas quoi, des grands noms américains, mais on s'appelait Naya Bingi Squad parce que ce nom, Naya Bingi, a une connotation, une charge très très lourde au terme de la résistance contre la colonisation en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Est. Et nous, on se reconnaissait dedans. Tu vois, donc c'était ce syncrétisme, ce mélange entre beaucoup de cultures, beaucoup de notions, mais savoir qui nous étions. En même temps, on commence le hip-hop. Donc, à ce moment-là, aux États-Unis, la tendance du rap est afrocentrique.
Donc, nos idoles sont les public enemies, etc., etc. Donc, ce sont des gens qui nous ramènent à dire « Black is beautiful », »,« Le noir, c'est beau », et « Sois fier de toi et développe-toi toi-même ». Et donc, c'est de ça dont parle le ministère de la rééducation. Et c'est ce qu'à travers nous, ce qu'on a appris, on voulait redonner et qu'on a redonné maintenant à la jeunesse gabonaise autant qu'on pouvait, quoi, avec les petits moyens qu'on avait. Ok. Mais au-delà de cela, en fait, quand je t'entends bien illustrer le concept du ministère de la rééducation, ne pensez-vous pas que par rapport à la tendance que ça a eu aujourd'hui, peut-être que ça, tu ne penses pas que ça aurait peut-être pu être un plus grand mouvement qu'il est devenu aujourd'hui, parce que, tu sais, j'aime dire que c'est plus nous les puristes qui sont vraiment plus attachés à vos textes, qui ont détecté cette chose, en fait. Mm-hmm. Ne pensez-vous pas que quelque part, vous auriez pu amener encore le concept plus loin, en fait? On aurait pu. On aurait pu. Et je te dirais que la mission n'a jamais été terminée. Donc, on n'a pas fini, en fait. Tu vois? Ok. Okay. Moi, je considère, par exemple, que ce que toi, tu es en train de faire en ce moment, c'est une résultante de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on a fait 1000 choses et que dans les 1000 choses-là, il y a une chose qui t'a inspiré, toi, de façon à ce que tu deviennes qui tu es aujourd'hui, c'est ça le ministère de la rééducation. Et donc, chacun fait ça à son niveau, à son époque. Nous savons que le pays d'où nous venons, en tout cas les gens qui gouvernent le pays d'où nous venons, ne sont pas propices, ils n'aiment pas ces choses-là. Parce qu'ils promouvoient beaucoup de choses qui sont contraires à ça et qui continuent à nous garder plus ou moins esclaves mentalement. Tu vois, or le ministère de la rééducation, c'est exactement se libérer des chaînes mentales, se libérer des chaînes spirituelles. Et donc, c'est un combat, ça a été un combat perpétuel. Certains d'entre nous ont été en prison, sans même commettre de crime ou quoi que ce soit, juste en train de rapper. Nous avons combattu même nos propres familles, nos propres parents, parce que eux n'ont pas été exposés à ce dont nous avons été exposés. Donc, c'était révolutionnaire d'une certaine façon. Mais en même temps, on était des enfants, tu comprends? On était des enfants, on n'avait pas d'argent, on n'était pas des grands types, des enfants de qui. Donc, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et là où ça a accroché, où les gens qui ont suivi, où ça, c'est comme ça que ça s'est développé. Voilà. Okay. Mais ça continue, les gens sans vouloir t'occuper, ça continue. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui développent des business. On a des gens qui sont des pères de famille, même d'une façon naturelle. On a des gens qui écrivent des livres. On a des gens qui font partie de la résistance, comme tu le sais, moi-même. Donc, c'est le combat de toute une vie. Parce que le changement de mentalité qu'on recherche et les graines qu'on essaie de poser, là, ce sont des graines que nos ancêtres ont posées avant nous et que nous continuons et qui va continuer d'exister après nous. Donc, ce n'est pas un concept que nous avons inventé. On a juste redonné un nom qui match avec notre génération. Mais nous, on est les Africains qui veulent rester Africains, qui aiment l'Afrique, qui veulent que l'Afrique se développe et qui sont conscients que les choses qui sont là dans l'Afrique pour soi-disant aider l'Afrique, ce n'est pas nécessairement bon pour les Africains. Donc, on essaie d'emmener des solutions alternatives. Voilà. Ok, d'accord. Mais je réalise que toutes les fois qu'on a écouté tes différentes interventions rapologiques dans certains tracks, on réalise que tu as beaucoup de talent et je réalise quelque part que les gens ont toujours demandé à Wydah Majah, là je parle du rappeur d'abord, c'est-à-dire les gens ont toujours demandé à Wy pourquoi est-ce que Wy a arrêté le rap ou encore pourquoi est-ce que Wy n'a jamais fait un album en fait. Ouais. Alors que ça débordait, le talent débordait en fait. Qu'est-ce qui fait que Wy n'a jamais sauté le pas en fait? Merci pour la question. J'espère que je vais pouvoir répondre à ça et que ça va pouvoir aider certains frangins et frangines qui nous ont fait l'honneur de nous suivre. En fait, à la base, moi j'étais un basketteur. Tu vois, non? Le talent musical que j'ai ou que j'ai pu avoir était quelque chose
qui, je veux dire, est peut-être innée, parce qu'il n'y a pas de musicien dans mon entourage direct, familialement parlant. Sauf l'écouter de mon père, là, c'est un autre truc. Mais comme je n'ai pas grandi de ce côté-là, je n'ai pas connu cette famille-là, donc je ne. En tout cas, c'est là dans les gènes quelque chose. On est noir, donc on a le rythme dans la peau, whatever. Bien sûr. Mais ce qui m'intéressait, moi, à ce moment-là, c'était le sport. C'était le basket. Et j'étais plus ou moins assez bon à ça. Je faisais partie des plus jeunes joueurs en première division. J'étais encore en seconde ou en première. J'avais 18 ans, alors que la moyenne de tous les grands, là, c'était peut-être de 25 à 30 ans, etc. Donc, moi et, par exemple, quelqu'un comme Ahmed Taoufiki, etc. Donc, nos intérêts, mon intérêt personnel, c'était le basket. La musique était quelque chose que je faisais moi-même dans ma chambre, dans ma vie, parce que je suis un étudiant de la musique, j'adore la musique. Et c'est en rencontrant les autres. Donc, d'autres gens au départ, quand il y a eu, par exemple, les rappeurs de la côte ouest, c'est à ce moment-là. Et puis, il y avait aussi, justement, Sia Posidic, qui s'appelait Criminal à l'époque, etc. C'était des gars du quartier. Parce que quand j'habitais à la SNI, je pense, Meudon One habitait à la gendarmerie. Donc, c'est des gens que je voyais de temps en temps, Jassine, Jazz, tout ça, machin. J'avais aussi des grands frères, là, NWRMC. Bref, j'avais des grands frères qui étaient aussi des grands du quartier, hein, pas mes grands frères, grands frères, qui étaient dans le rap game des rappeurs de la côte ouest. Donc, ça m'a permis de commencer à écrire mes petits textes en Kazakh, tout ça. Mais c'est surtout avec la rencontre de 16 Ice, tout le crew, Zorba, et tout ça, Pierre, Dia, etc., que j'ai pu développer. Que j'ai développé mon style, ou en tout cas que ça s'est confirmé, parce que j'avais déjà un style, j'avais déjà un groupe avant ça, mais c'est là que ça s'est confirmé, c'est là que j'ai pris goût à ça, et c'est là surtout que ça s'est matérialisé en quelque chose de concret, où on avait un véritable mouvement, et donc ça me donnait le goût. Mais sinon, en vérité, de ce côté-là, j'étais paresseux. J'avoue, je ne veux pas mentir. Donc c'était les autres qui me poussaient, tout ça, machin. Mais comme je savais, je connaissais ce truc-là, parce que je suivais ça beaucoup, j'étais un gros fan. Ça faisait donc à chaque fois qu'il fallait écrire ou prendre le stylo pour faire quelque chose, je savais quoi faire. Parce que j'avais plus de 300 cassettes. J'étais un adepte de Mbolo dehors. Si vous êtes des anciens de Oh Libreville, là si vous êtes des anciens là. de Libreville, vous connaissez comment ça fonctionnait. Vous savez que Mbolo dehors vendait des cassettes trafiquées des rappeurs américains. Donc, moi, j'avais plus de 300 cassettes. Je lisais le livre Source Magazine. On regardait les clips. Donc, il y a les clips aussi, hein. Et les clips montraient des noirs qui faisaient des choses extraordinaires. Et ça, pour moi, pour nous, pas juste pour moi, pour nous, ça nous a poussé à essayer de comprendre, mais qu'est-ce que les gars là disent, de quoi ils parlent, et c'est quoi le concept et tout ça. C'est comme ça donc qu'on rentre dans le rap, dans le hip-hop. Et en même temps, le basket est toujours jumelé avec le hip-hop en général. Si tu connais le basket, tu sais que le hip-hop n'a jamais laissé, ça a toujours été dedans. Et c'est ce qui fait que moi, par exemple, au moment de passer le bac, je parle déjà anglais, je suis déjà bilingue. J'ai jamais été straight, j'ai jamais machin. J'ai appris l'anglais moi-même en prenant des livres. Il y avait une encyclopédie au salon de ma vie et tout ça. Je prenais ça, les dictionnaires, je prenais. Mais à l'époque, quand les CD sortaient encore, on avait les frangins bendistes ou bien les frangines. Ils emmenaient les CD. Les CD avaient les paroles, genre Boyz II Men, tout ça. Donc, tu ouvres comme ça, tu lis les paroles et tu traduis. Donc, tout ça a fait en sorte que je commence à parler anglais. J'arrivais à discuter maintenant avec des Américains, des anglophones, des machins, alors que j'avais jamais quitté le Gabon, tu vois. Et donc c'est tout ça en fait qui a concouru à mon talent, je pense. Et il y avait le fait qu'avec les frangins, on rappait, on avait un groupe de rap, etc. Mais moi, en solo, je chantais aussi. Parce que ma vieille, mes tantes, mes machins, tout ça. Il y avait toujours de la musique, surtout la musique congolaise.
à la piole. Et aussi, quand tu as un enfant des Akébé, quand tu as un enfant des Mapan, pas juste des Akébé, tu sais que dans les quartiers de Libreville, il y a toujours une, deux ou trois boutiques autour de toi. Et donc, moi, j'ai grandi dans un environnement où quand je me réveille le matin, on n'a même pas encore bu le café, la boutique est déjà en train de chauffer là-bas, les chansons. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de venir t'asseoir devant la maison et tu as tout un album qui est en train de machiner. Donc, je chante depuis petit, mais pour moi-même, tu vois. Et c'est en rencontrant les frangins que j'ai su, maintenant j'ai appris que, oh, je savais chanter, je ne savais pas que je savais chanter, tu vois. Et ouais, j'ai découvert ça comme ça. Donc, ces gars-là, la rencontre de ces frangins-là a beaucoup concouru au fait que non seulement je développe mon talent, que je l'affûte, mais aussi que le Gabon puisse découvrir qui est Wydad Media. Parce que si c'était moi-même, frangin, peut-être vous allez entendre que bon, le frangin là, sait faire ça, ou bien il sait faire ça, mais je ne sais pas si j'allais avoir le courage d'avoir une carrière musicale. D'ailleurs, quand on s'est séparés, chacun est parti de son côté avec le bac et le machin. Ceux qui étaient déjà des musiciens, donc 16 et Matt et tout ça, ont eu une véritable carrière artistique. Moi, je viens d'une famille où même le basket, on m'a fermé. La musique, c'était même pas la peine, parce que je viens d'une famille où on dit l'école. Et donc, tout ça là, que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, je faisais ça en cachette. Et après, c'est les gens qui venaient dire, mais est-ce que vous savez que votre fils fait ça? Est-ce que vous savez que ça, c'est votre fils à la radio? Non, le grand frère est trop fort. Mais moi, quand je rentrais à la maison, on me bastillait que non, mon petit, c'est pas ça la vie. Tu vois? Waouh. J'ai envie de dire que quelque part, la famille nous a privé d'un talent. Quelque part. Et c'est quelque chose que, non, ben, on peut dire la famille, mais on ne peut pas accuser aussi la famille, parce que nous-mêmes, moi-même, ouais, je n'ai pas conscience. Tu nous as privé de ton talent, en fait. Tu voilà. nous as privé de ton talent. Voilà. Je prends ça sur moi, ce n'est pas la famille. Mais ça nous ramène à une discussion que toi et moi, on a eue. Je pense que c'était hier. Il faut faire passer un message aux nations africaines, mais surtout aux parents africains. Et là, on va parler du Gabon. En disant que si vos enfants ont envie de faire quelque chose, on ne sait pas d'où les esprits que nous avons viennent. On ne sait pas les bénédictions, mais on sait que ce sont des bénédictions. À chaque fois qu'un enfant arrive, c'est une bénédiction. Faites en sorte, vous, parents africains, maintenant nous sommes grands, moi j'ai 40 ans, donc je ne suis plus un enfant. Faisons en sorte d'accompagner nos enfants dans ce qu'ils aiment. Parce que l'entrepreneuriat, justement, pour amener ça à l'entrepreneuriat, te fait comprendre que tant que tu fais ce que tu aimes, tu ne seras jamais en train de travailler parce que tu seras toujours excité, tu auras toujours de l'engouement, tu seras toujours épanoui parce que tu as le goût, tout simplement. Tu vois, non? Exactement. Lorsque ton enfant vient et qu'il te dit « Maman, j'ai envie de jouer au Ndambo, j'ai envie de jouer au ballon » et que tu dis « Non, pas mon enfant, le ballon, ça ne marche pas. » Personne dans notre famille fait le ballon. D'ailleurs, regarde ton grand frère qui avait fait le ballon, qui était parti en Europe. Il a raté sa vie, il est maintenant sous l'art, machin. Tout ça, là, concourt à ce que les gens ne se développent pas potentiellement. Donc, au lieu d'être toujours en train d'être fermé et refuser tout à vos enfants, essayons d'encourager ces esprits-là à se développer. Parce que parmi toutes les choses que ces petits-là sont en train d'essayer pendant qu'ils sont jeunes, il y a une ou deux choses dans lesquelles ils sont spéciaux. Quelqu'un comme Jay-Z, par exemple, il a un adage où il dit souvent que nous naissons tous avec un génie potentiel, donc un génie, genre un talent, et il suffit seulement de découvrir dans quel domaine est-ce que ce génie-là s'exprime et donc de travailler dedans. Mais si on te ferme toujours et on te dit toujours, voilà ce que nous, les parents, on aurait toujours voulu faire dans notre vie. Et comme on n'a pas fait ça, on a raté. On met ça sur toi, l'enfant, tu dois faire ça. Et toi, tu n'aimes pas ça. Et tu n'as pas la parole parce que la conversation n'est pas à deux chemins, à deux voies au Gabon, entre les parents et les enfants. C'est à sens unique. Les parents disent, les enfants doivent faire. Quand les enfants veulent parler, on les tape. Donc, ils ne parlent pas. Donc, ils gardent ça sous eux comme ça. Et ça crée... ce qu'on connaît là. Ce n'est pas la faute des parents,
parce que eux aussi, peut-être qu'ils ont essayé de faire des choses dans leurs enfances et que ça n'a pas marché. Donc, ils se disent, mon enfant ne va pas perdre ce temps-là. Mais je vous encourage, je nous encourage à encourager les enfants, encourager même les adultes. Si nos frères, nos sœurs, nos voisins sont intéressés à faire quelque chose et qu'ils commencent quelque chose, une entreprise, encourageons-les. Encourageons-les parce que c'est de là d'où viendra et d'où sont nées des choses comme Amazon, des choses comme Apple, des choses comme toutes les grandes compagnies qu'on connaît là. Les Blancs, et ça, ce n'est pas pour dire que les Blancs sont mieux ou sont moins bien que les Noirs, les Blancs ont ce truc-là où quand l'enfant veut faire quelque chose, s'il a dit que c'est le basket, s'il a dit que c'est le ballon, s'il a même dit que c'est la musique, quelque chose, tu vas toujours regarder à chaque fois qu'il y a une performance, la maman ou le papa ou la sœur ou toute la famille sont là dans l'audience en train de dire « avec le drapeau, même le nom de l'enfant, même s'il est Mbutuku, ils sont là en train de supporter. Parce que ce truc-là a une valeur, tellement valeur spirituelle, qui fait en sorte que ton enfant parte de cette position-là à cette position-là, où il est en confiance et il roule. Et même s'il rate, le fait de savoir que ces gens sont avec lui, on lui a déjà donné la bénédiction. On lui a dit, mon petit, pars. Donc voilà le message, l'un des messages que je voulais lancer. D'accord. Et merci. Maintenant, on va parler un peu de ton actualité. Actuellement, tu résides du côté de New York. Et l'évidence, c'est qu'actuellement, c'est le COVID-19 qui frappe le monde actuellement de plein fouet. Comment est-ce que vous, là-bas, vous vivez le confinement? Surtout que les statistiques et les nouvelles montrent que vous êtes l'épicentre actuellement. Toi, de ton côté, avec ta famille, comment est-ce que vous gérez les choses? Ben écoute, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Mais je ne peux pas dire la même chose pour beaucoup de nos frères et sœurs, beaucoup de nos amis et de leurs parents qui sont en train de partir comme... Je parlais avec un frangin hier et je disais que c'est comme si, dans les Avengers, là, comme si Thanos avait claqué des doigts. Les gens sont seulement en train de disparaître. Donc, c'est quand même assez difficile. Mais on ne sait même pas quand on est. On sait seulement quand on est là. Et puis, quand on est là. Mais on sait aussi que la mort fait partie de la vie. Tu vois? Donc, quand il va nous appeler, COVID-19 ou pas, ce sera le moment. C'est difficile parce que New York est une capitale. C'est un carrefour où, à l'international, si tu veux sortir des États-Unis, la majorité des vols partent ou passent par ici. Et si tu veux rentrer sur les États-Unis, la majorité des vols, encore une fois, passent par ici. C'est la même chose si tu veux aller au Canada, c'est la même chose si tu veux aller en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Beaucoup de vols s'arrêtent ici, donc beaucoup de gens sont ici. En plus de ça, nous sommes un endroit touristique très, très, très attrayant. Et donc, nous avons des gens qui sont là, qui viennent de partout dans le monde, 24 heures sur 24. On appelle New York la ville qui ne dort jamais ou qui ne dort pas. C'est justement parce qu'il y a tellement de touristes, ils sont toujours en train de regarder, prendre des photos. Ça nous fatigue même, quoi. Mais ouais, donc c'est pour ça que New York est très touché. C'est parce que nous sommes... on est ouvert à beaucoup de ces choses-là. Et c'est ce qui se passe. Mais moi, ça va. Dieu merci, ça va. Ok. Maintenant, je ne vais pas au travail physiquement. Donc, on travaille tous de la maison. On est confinés, hein, comme au Gabon. L'économie, plus ou moins, essaie de résister. Ça va être difficile quand on va sortir de ça parce que beaucoup de gens ont perdu des boulots. Moi, je suis manager d'un département dans la compagnie dans laquelle je travaille et j'ai dû renvoyer quelques-uns de mes employés à cause de ça. On ne pouvait plus les payer. Et voilà, c'est compliqué. Ouais. C'est pas facile. Ouais. Pas facile. Ouais. Mais maintenant, en parallèle, au-delà du fait que je sais que au-delà du fait que c'est vrai, comme tu l'as si bien dit, tu travailles, mais en même temps aussi, tu es un entrepreneur. Donc, est-ce que, en fait, on va dire,
La dernière fois, quand on se parlait, tu me disais quelque part un peu, tu me parlais un peu de tes projets, ou bien quelques-uns qui sont en gestation. Est-ce qu'il y a quelques-uns comme ça que tu veux essayer d'énumérer brièvement? Parce que on a, n'oublie pas une chose, n'oublie pas une chose, c'est que ceux qui vont regarder la vidéo sont en même temps, il y a beaucoup qui sont tes fans et qui le sont toujours. Même si tu nous as dribblé un rap, c'est pas bien grave, mais on t'en veut toujours. Ça, c'est sûr. Va Mais il y a aussi les gens, voilà, qui s'intéressent à ce que tu fais pour ta personne, en fait. Ouais. Donc, voilà. Ben, écoute, moi, je commencerai par dire que l'une des grandes leçons que j'ai appris en venant en Amérique, aux États-Unis, et partout ailleurs d'ailleurs, mais surtout ici, c'est la valeur de l'homme. Dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qu'on regardait, par exemple, à la télé, quand on était petit au Gabon, des gens qui nous ont fait rêver, qui nous donnaient envie de venir au States ou en France, ou machin, en tout cas de quitter le Gabon, de quitter cette merde-là, comme on disait. On a découvert qu'en venant ici, en les côtoyant, on a découvert que ce sont des êtres humains. Ce sont des hommes et des femmes comme toi et moi et tout le monde. Et donc, ils n'ont pas nécessairement quelque chose d'aussi spécial et de super, machin. Il n'y a pas un truc qui est genre trop américain, je ne sais pas quoi, magnifique, dans l'eau qui coule les États-Unis. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des êtres humains, ils gardent les toilettes comme nous. Donc, quand c'est le moment, ils vont au WC comme nous. Ils tombent malades, ils ont des problèmes de vie, de santé, de machin. Certains même sont morts du COVID-19 et tout ça. Donc, c'est pour dire que ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas se négliger soi-même. Et je suis quelqu'un de spirituel. Et donc, de par ça, j'ai aussi étudié beaucoup de différentes religions. Tout ce qui touche à l'homme et sa relation avec son créateur, avec Dieu, quand j'entends ça, j'ai envie de savoir et j'étudie. Donc, je suis allé chez les juifs, le judaïsme, chez les hindous, chez nous les Africains, je continue à étudier. Mais nous savons aussi qu'on nous a bâti beaucoup avec le catholicisme, le protestantisme, les églises éveillées et tout, mais en tout cas, Jésus-Christ a été beaucoup au centre de pas mal de choses. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que la majorité des livres saints, sinon tous les livres saints et toutes les philosophies, les grandes philosophies, t'expliquent que tu, en tant qu'être humain, es quelqu'un de spécial. Tu es ce qu'on va appeler le fils de Dieu ou la fille de Dieu, mais tu es enfant de Dieu, tu es enfant de divinité. Et la science tangible et pratique occidentale ne reconnaît pas nécessairement que tu es enfant de Dieu ou quoi que ce soit, mais ils reconnaissent que l'être humain utilise à peu près entre 5 et 10% de ses véritables capacités ou capacités cérébrales. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire que tous les êtres humains, si tu as envie de te développer et que tu es vraiment, vraiment sérieux sur ça, tu te focalises sur ça, ce que tu peux faire va t'émerveiller toi-même et en général va te mettre au-dessus de la moyenne. Donc, c'est ce que j'ai appris en venant, voilà, c'est ce que j'ai appris en venant aux États-Unis. Parce que beaucoup de gens qu'on suivait et machin, j'ai pu comprendre comment ils ont effectué pas mal de choses qu'ils ont faites. J'ai pu comprendre comment la majorité des choses qui ont été construites, qui nous font vivre comme nous vivons aujourd'hui, ont été faites. Donc tout ça là, il y a des séquences logiques de vie, etc., qui font que ça me fait croire en moi-même. Parce que en étant un homme noir, déjà, l'Afrique, c'est pas un continent à négliger. Un fils du Gabon, qui est un pays spécial, l'enfant de mes ancêtres, qui sont pas n'importe qui, je remarque que, par exemple, mes enfants, ou bien mes cousins germains, comme on dirait au pays, mes frères et mes sœurs, qu'on a enlevés à une époque lointaine, donc ce sont les enfants des frères de mes grands-pères, de mes grands-mères, de nos... C'est eux qui gèrent la culture américaine.
quand tu arrives dans un autre pays et que on pense ricain ou américain ou machin, on pense d'abord à la culture noire, c'est que la culture noire a emmené machin. On ne pense pas à l'Amérique et toutes les armes et la bombe atomique qu'ils ont. Non, c'est pas comme ça que l'Amérique se présente dans les autres pays. L'Amérique se présente dans les autres pays par la culture d'abord. Et ensuite, ils emmènent la politique. Mais cette culture-là, qu'on appelle culture américaine, c'est la culture noire. Et le noir, là, c'est le côté africain de l'Amérique. Donc, tout ça me fait comprendre que je suis quelqu'un de spécial et que si je continue à dormir ou à accuser les gens que c'est mon grand-père qui m'avait mangé, ma tante qui me mange au village, je perds mon temps. Bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr, il y a Et tellement de choses à faire. voilà. Et aussi, ce qu'on sait, c'est que à deux enfants identiques, au même moment identique de leur vie, si tu mets un dans une famille et dans un endroit, dans un environnement propice, fertile, et que tu mets l'autre dans un endroit où il n'a pas beaucoup de facilité, il doit se battre pour tout ce qu'il doit avoir, ces deux enfants vont se développer, mais l'un va développer celui qui a la famille qui le supporte, qui est dans le pays qui le supporte, avec les conditions qui le supportent, le gouvernement qui le supporte, va développer des choses qui peuvent potentiellement faire évoluer l'humanité, alors que l'autre peut développer son cerveau et son esprit, mais peut aussi beaucoup, a beaucoup de pourcentage, probabilité à développer des choses qui sont potentiellement nuisibles, parce il a beaucoup de frustration, mais aussi, même s'il n'essaye pas de faire le mal, cette personne ne se développe pas au maximum de son potentiel. Tu vois? Et l'Amérique, encore une fois, l'Occident, encore une fois, permet à beaucoup de structures. Et c'est là où tu vois que venant d'où nous on vient, tu te dis que mais c'est pas possible. Les gens qu'on a laissés au pays sont des gens magnifiques. Mais s'ils avaient seulement le tiers, le cinquième de ce que nous on voit ici, là, les Blancs l'ont laissé faire. Parce que vraiment, il y a tellement de choses ici pour t'aider à te développer, tu vois, que en fait, c'est ça. C'est Mais ne je penses-tu pas que... vas-y. Ok, vas-y, termine. Non, en Donc, fait, tu je voulais dire, ne penses-tu pas que tout ce que tu dis, par exemple, comme potentiel qu'on a au pays, et que malheureusement, il n'y a pas de structure pour développer cela, mais ne penses-tu pas que quelque part, c'est aussi quelque part le rôle d'une diaspora de se pencher sur ce genre de choses, en fait? C'est-à-dire ce que l'État ne peut pas apporter, ou encore que les populations ont longtemps attendu, est-ce que ce n'est pas quelque part une diaspora qui peut vendre cet espoir, en fait, à un peuple? Parce Alors, que vois-tu, il y a d'autres diasporas qui... Voilà. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. ben, deux choses. Non, Parce que dans ton message, moi, je ressens une ambivalence, tu vois. Tu dis que est-ce que ce n'est pas la responsabilité ou le devoir, j'ai oublié le mot que tu as utilisé, d'une diaspora. D'une diaspora, Voilà. Donc ça, c'est quelque un point. part. Après, tu dis que la diaspora peut, j'ai oublié le mot que tu as utilisé, mais peut engendrer ce changement. Donc, pour moi, ça, c'est Bien deux choses dit. différentes. Hein. Voilà. Dans la première, le premier aspect de ta question, tu parles d'un devoir comme d'une mission, une obligation, tu vois. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et dans la deuxième chose, tu parles d'une capacité. La capacité à pouvoir le faire et l'obligation de le faire, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que tu vois qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont quitté le pays, ils viennent, ils restent ici, ils oublient le pays. Ils se marient même avec la Ouattara, l'américaine, machin, et puis après, ses ancêtres sont bretons. C'est fini, il faut oublier. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, malheureusement. Voilà. Mais le truc de la diaspora, il y a beaucoup de. Il faut regarder l'histoire de l'humanité. Et excuse-moi de toujours reculer un peu, mais il faut regarder l'histoire de l'humanité pour Bien expliquer. sûr, tu es un citoyen du monde, c'est normal, Voilà. c'est normal. C'est ça. Donc il faut regarder l'histoire de l'humanité pour comprendre ce qui se passe. Il faut savoir que si on parle de diaspora au niveau, par exemple, juif, hein, les Hébreux et tout ça, alors on reconnaît qu'il y a tout un système mondial
des descendants de cette communauté-là qui se sont installés par les problèmes qu'on connaît dans le monde entier. Ils ont créé tout un système mondial qui fait que ils ont amassé des richesses, ils sont restés liés les uns aux autres et ils ont eu la possibilité ou capacité par leur manœuvre de retrouver cet endroit, l'endroit de leurs parents, l'endroit ancestral, d'après ce qui est dit, hein. Et c'est donc comme ça qu'ils le redéveloppent et ça, c'était la mission qu'ils se sont donnée eux-mêmes. Tu comprends? C'était pas nécessairement, en tout cas dans mon avis, c'était pas nécessairement une obligation. L'obligation était une obligation morale parce que dans leurs écrits, dans l'héritage qu'ils ont reçu spirituellement de leurs ancêtres, on leur a dit, vous êtes des gens spéciaux et la terre d'où nous venons, qui est votre terre, est un endroit spécial. Même si vous voyagez, n'oubliez pas cette terre. Même si on vous met en prison là-bas, n'oubliez pas cette terre. Même si quoi, quoi, n'oubliez pas cette terre. Parce que Dieu habite ici et vous êtes les enfants de Dieu. Tu comprends? Et c'est comme ça que cette diaspora, même après plusieurs siècles, ils ont continué. Et ce qu'ils font, et là je parle des Juifs, ce qu'ils font, c'est que chaque année, en tout cas au moins une fois par année, ils rentrent, ils vont en Israël en pèlerinage ou machin, ils parlent leur langue, ils étudient les livres, ils essayent de faire avancer la communauté et comment dire ça? Ils interagissent entre eux. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, ils vont chez le docteur qui est de leur communauté. Quand ils vont faire les courses, ils vont faire les courses dans leur communauté, etc., etc. Ça, c'est une diaspora qui fait que même s'ils ont quitté le pays physiquement, le pays ne les a jamais quittés. Mais il y a un aspect que tu oublies. Les Mbengistes, ce qu'on appelle les Mbengistes au pays, c'est la diaspora. Les Mbengistes, c'est la diaspora. Ce sont des gens qui sont allés ailleurs et qui sont rentrés au pays, qui ont fait des choses ou qui ont acheté les habits et qui sont rentrés au pays. Et quand ils sont rentrés au pays, ils essayent toujours de revenir et de redonner plus ou moins un machin. Mais quand ils rentrent au pays, quel effet est-ce que ça fait? Ça fait qu'on les regarde physiquement, on regarde qu'ils ont bonne mine, on regarde leurs habits, soit qu'ils sont sapés. On voit qu'ils ont changé d'état. Voilà, et on sent qu'ils sont bons. Et donc, quel est le message que nous on retient de ça? Ce n'est pas que qu'il y a un truc à travailler, c'est qu'il faut partir là-bas d'où ils viennent. Tu comprends? Et Donc, ça. voilà. Donc, je te dis ça pour te dire que ça dépend de la force spirituelle et comment un peuple est assis sur son sol et sur son identité. Il faut être fier de soi. Il faut savoir d'où tu viens, il faut comprendre ça. Parce que lorsque tu iras, là où tu iras et tu verras ce que tu verras, tu comprendras que tout ça là, ce n'est que vanité, c'est du matérialisme, mais toi, en tant que personne, ta personnalité et tout ce qui fait toi là, et surtout ton devoir moral, donc comme tu essaies d'expliquer, c'est de faire en sorte que nos gens n'aient plus besoin de partir dans ces endroits-là pour être mieux. Tu comprends? Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que même quand on meurt dans la Méditerranée et tout ça, dans ce qu'on fait là, on nous fait même l'esclavage en Libye et tout ça, c'est parce qu'on a le rêve et on a l'espoir qu'en partant là-bas, on sera mieux. Tu vois? Si on arrive à faire le pari que là-bas, c'est pas mieux, ici où vous êtes, c'est mieux, il y a encore des choses à faire, mais battons-nous pour développer ça. On gagne le match. Parce que à ce moment-là, les Mbengis commencent à venir maintenant visiter. Et là, ils vont plus seulement venir visiter la forêt et les animaux. Ils vont aussi venir visiter les accomplissements que les êtres humains. Parce que c'est ça la première richesse. Hein. Quand j'ai fait mes cours d'économie et de finance, la première leçon, la première classe, premier concept qu'on nous apprend, c'est la richesse. La véritable richesse d'un peuple, c'est l'être humain. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les ressources naturelles, ce n'est pas les machins. C'est l'être humain. Et donc c'est ça. Il faut développer les mentalités, il faut développer les personnes, il faut développer aussi les structures qui sont autour d'elles pour aider ces gens-là à pouvoir s'exprimer et produire des choses tangibles qui vont faire avancer le machin.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles quelqu'un comme moi, les gens comme nous, on se bat à dire aux dirigeants gabonais là, que les gars, vous faites le foufou, alors que notre pays, c'est de l'or. Nos gens, c'est de l'or. Notre sous-sol, c'est de l'or. Et on est allé chez les autres, on a vu ce qu'ils font, on a vu ce qui est capable d'être fait. Et on sait que ça, là, on peut faire ça au pays. On a des gens qui font ça sans jamais avoir voyagé. Voilà quoi. Donc, c'est ça. Tu as souligné un point important là où tu parlais du fait que, et ça, je pense que moi aussi, quelque part, je l'ai vécu à un certain moment. Mais d'après toi, qu'est-ce qui peut apporter le fait que lorsqu'on se retrouve en Afrique, on a comme l'impression qu'on verra mieux les choses que si on sort d'abord du pays. D'après toi, d'où vient cette envie que pratiquement toute la jeunesse africaine a forcément envie de sortir? Je te dirais que d'abord, ça a beaucoup à voir avec la diaspora. Ça a beaucoup à voir avec le fait que la pauvreté, ça a beaucoup à voir avec l'ignorance parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe ailleurs. Ça a beaucoup à voir avec le marketing, la télévision, la publicité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les grandes compagnies là investissent beaucoup dans quelque chose qu'on appelle le PR, donc public relations, les relations publiques, qui est un département qui est un peu au-dessus du département marketing. Et le marketing, c'est le département qui littéralement crée toutes les publicités pour vous dire le produit que nous fabriquons, c'est très bon et vous devez acheter ça. Et donc, il crée beaucoup de messages. Et vraiment, il y a un gros budget. Quand tu crées une compagnie, il y a toujours un gros budget pour ces choses-là parce que ça crée des messages subliminaux qui font en sorte que les consommateurs, tous les gens qui vont regarder ça, vont acheter. Et donc, nous, Africains, parce que nous importons tellement de choses, nous recevons tellement d'informations d'ailleurs et pas assez de là où nous sommes d'ailleurs. Donc, il faut que les parents ouvrent, encore une fois, les portes de communication pour apprendre aux enfants qui nous sommes et quelles sont nos richesses, de quoi on doit être fier par rapport à d'où nous sommes. Mais même avec ça, ils ne vont pas pouvoir battre la télévision parce que la télévision et Internet, c'est trop fort. Donc, il y a ça. Avant de machiner ça, il faut aussi reconnaître que il y a un truc pour lequel moi, je me base. J'ai beaucoup de frères académiciens qui se fâchent avec moi par rapport à ça. C'est pour dire que l'Africain n'est pas parfait, mais l'Africain n'est pas le pire. Nous sommes des êtres humains. Tu comprends? Et quand je dis que nous sommes des êtres humains, ce que nous faisons là, c'est la question que tu as posée pour les jeunes africains. En vérité, si tu côtoies le jeune américain, le jeune français, le jeune yougoslave, tu vois qu'ils sont pareils. La curiosité et l'insatiabilité du cerveau, ça existe partout. L'être humain n'est jamais satisfait ou rarement satisfait de ce qu'il a ou de ce qui se passe aujourd'hui. On est des rêveurs, on veut toujours un peu plus, même les gens qui sont billionnaires. Milliardaires, pardon, parce que billionnaires sont en anglais, milliardaires veulent plus d'argent. Les gens qui ont 50 maisons veulent encore plus. Les gens qui ont 19 femmes veulent encore plus. Le cerveau, c'est un truc qui est dangereux si tu ne le contrôles pas. Et il va toujours te mettre dans une loupe où ça va faire que tu veux toujours plus. Les gens qui ont même déjà quelqu'un comme Jeff Bezos, je te disais ça hier, Jeff Bezos, il y a aussi l'autre, l'Africain, comment il s'appelle? Aliko Dangote. Non, pas Dangote. Dangote est encore décent. Le blanc de l'Afrique du Sud qui fait Tesla et qui fait Elon Musk. Elon Musk, tu sais que c'est un Africain, Afrique du Sud, right? Et il y a aussi Richard Branson de l'Angleterre. Ils sont en train de développer des programmes où le gros de leur argent va sur l'espace. Les gars sont en train de développer comment se déplacer dans l'espace, comment vivre dans l'espace, comment créer un village dans l'espace pour que les êtres humains puissent vivre dans l'espace. C'est pour te dire que l'esprit humain, ce n'est pas un esprit qui est facilement posable comme ça.
où tu vas te dire que ce que j'ai, je suis satisfait et ça me va, et puis tu avances un peu. En général, si tu es quelqu'un de très gourmand, qui veut beaucoup, qui a beaucoup d'ambition, il n'y a pas de limite. Il va falloir que soit la vie te limite, Dieu te limite ou la société te limite en disant tu ne peux pas voler autant d'argent. Notre gouvernement, encore une fois, c'est pas, tu vois, alors, pour dire que il faut pouvoir te limiter. Donc, quand les jeunes Africains regardent ailleurs et ont envie de quitter, c'est le vieux concept où on dit the grass is greener on the other side. Quand tu regardes la femme de l'autre, même si tu as la plus jolie femme du monde, tu regardes la femme de l'autre, tu te dis, ah, c'est peut-être mieux là-bas. C'est l'ignorance et c'est dans la tête, c'est dans le cœur. Tu regardes la maison de l'autre ou la voiture de l'autre. Aujourd'hui, il y a des frangins qui me regardent au Gabon et qui se disent, franchement, moi, j'ai envie d'être comme le gars là et c'est pour ça que j'ai envie d'aller aux États-Unis. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne me connaît pas, c'est qu'il ne sait pas que moi, j'ai envie d'être au Gabon. J'ai envie de rentrer au Gabon. Donc, quand je le regarde, lui, je l'envie. Mais c'est ça le cerveau humain. Et donc, je dis ça pour dire que le jeune Africain, quand il pense comme ça, n'est pas pire que les autres. Maintenant, c'est comment on gère cette... La situation est quand même un problème. Donc, comment on gère ça? Et c'est là où les leaders sont supposés pouvoir aider avec ça. Voilà. Mais maintenant, tu as souligné un point important dans ta réponse. Tu disais que la télévision et Internet font souvent un travail de matraquage sur le fait de vendre parfois un rêve qui n'existe pas. Mais maintenant, déjà aussi, c'est important, pourquoi pas peut-être aussi de signaler le fait qu'on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent maintenant actuellement dans la communauté noire, et on va dire gabonaise déjà. C'est que quelque part aussi, pourquoi pas, on souhaite, oui, il faut le dire, et on souhaite aussi que les jeunes entrepreneurs, peut-être qui cherchent des niches, pourquoi pas, doivent se lancer dans le domaine du digital, en fait, et dans le domaine de la publicité, parce que tout le monde est déjà en ligne. Ça veut dire que si on veut améliorer les conditions de nos populations, il faut qu'on ne soit pas en arrière, en fait. Est-ce que tu vois? Parce D'accord. que là où on nous contrôle le plus, c'est là où nous aussi, on doit s'y mettre. Pour aussi ramener nos populations, en fait. Parce que tu parlais d'Internet tout de suite là, mais si par exemple on veut apprendre un jeune Gabonais, là il faut rester dans le côté du Gabon, c'est-à-dire si on veut apprendre à un jeune Gabonais l'amour du pays, mais si par exemple il va sur YouTube et qu'il voit du contenu qui parle de la beauté du Gabon, il a toutes les raisons de rester aussi. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on va sur YouTube, on voit tout ce qu'il y a comme. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, c'est un marketing aussi. On vend. Attends. Parce que là, tu vas énerver. On va énerver les frangins qui sont au pays. Il faut pas leur Non, mentir. c'était juste un Attends. teasing. Faut pas leur mentir. Il faut leur dire la vérité. Non, Quand tu as dit que on leur c'était. vend un rêve qui n'existe pas. Non. Le rêve, là, existe. Non, attention, quand je C'est mieux. parle du rêve qui C'est mieux existe, le ici. rêve C'est pas existe. un mensonge. C'est pas un mensonge. C'est mieux ici. C'est pas un mensonge. Maintenant, Non, le rêve existe. voilà, comment est-ce que c'est devenu mieux? C'était par le travail des hommes. C'est juste ça qu'il faut leur faire comprendre. Ça, c'est devenu mieux par le travail des hommes. Mais le rêve existe. Tu comprends? Parce que Bien sûr. ce dont on se rend compte, c'est que, tu sais, dans l'art de la guerre, par exemple, on te dit que une armée excelle toujours autant que son général. L'armée va toujours aussi loin que son général est capable soit capable d'aller. Et donc là, je t'emmène dans le concept de leadership. Si tu mets, encore une fois, tu mets toutes les conditions nécessaires pour que les choses et les gens se développent, alors les choses et les gens vont se développer. Les gens vont développer des choses. Tu comprends? C'est pas parce que le frangin voit un truc super sophistiqué sur le Gabon qui est en train de lui montrer la cour qui est derrière lui en image 3D ou 5D qu'il va dire que je préfère rester ici. Non, il va se dire quel est l'appareil qui a filmé ça. Je veux soit aller acheter l'appareil là ou je veux construire l'appareil là. Tu vois? Donc là, c'était juste une parenthèse par rapport à ce que tu as dit, tu vois, non? Pour dire que ne nous égarons pas.
Bien. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir partir. C'est une mauvaise chose de vouloir partir et de ne pas revenir et d'oublier là-bas et de se dire c'est seulement par rapport à moi et que tant que moi je vais bien, les autres peuvent souffrir, le pays peut être dans le ngembe, ça ne me regarde pas. Ça, c'est un problème. Tu vois, non? Mais le leadership, et je disais donc, je faisais un branch out sur le leadership pour dire que l'une des raisons qui fait que moi je sois dans la résistance, c'est ça. C'est le fait que nous martelons à nos leaders que si le pays est dans les conditions dans lesquelles il est, c'est de votre faute. Et ce n'est pas trop tard. Nous pouvons faire mieux. Comme nous pouvons faire mieux, soit essayez de faire mieux, ou si vous-même vous voyez que vous avez des limites, quittez. Parce qu'il y a des gens qu'on connaît, des Gabonais qu'on connaît, qui sont capables de faire mieux et d'emmener le truc là plus loin. De façon à ce que, quand il y a des problèmes comme le Covid-19 aujourd'hui, les petits trucs là qu'on est en train de machin, qu'on ne peut pas régler là, ce serait déjà réglé. Tu vois? Donc, c'est par rapport à ça. Mais je vais aussi profiter pour répondre à un des ponts que tu as fait par rapport à la technologie digitale. Moi, j'irai plus loin. Nous sommes dans l'ère de la communication. Donc, il y a eu l'ère de la machine, il y a l'ère des lumières primaires, tertiaires, secondaires. Là, on est à l'ère de la communication, l'ère de l'information. Donc, si tu ne sais pas, et l'information, ce n'est rien d'autre que la communication. Si tu ne sais pas communiquer ton idée, ça va être compliqué pour que les gens puissent t'aider. Si tu ne sais pas communiquer même ton rêve, même, et les gens spirituels t'expliquent ça, que même dans tes prières, quand tu parles à Dieu, si tu dis « Dieu, je veux le colo », il va te dire « Merci, c'est ton problème ». Si tu dis « Je veux 50 dollars parce que je veux aller acheter le bic et le papier et ça va me permettre de dessiner la machine qui va machin », Dieu va te donner 50 dollars. Ou en tout cas, l'univers va travailler de façon à ce que ces choses-là existent. Donc, il faut être précis dans son message et c'est ça la maîtrise de l'information. C'est comment est-ce que tu fais en sorte que quand je parle avec l'autre, il arrive à me comprendre. Il faut qu'on puisse parler la même langue. Mais tout le monde ne parle pas la même langue, tout le monde ne s'exprime pas de la même façon. C'est comme ça que les images et les machins arrivent. Mais moi, j'irai plus loin en disant que le coding, donc être un codeur, apprendre à coder les voilà, donc les codes informatiques et tout ça, là, c'est quelque chose qui devrait ou qui va être en tout cas aussi important que savoir écrire les A, B, du CP1. Là. Dans le futur, si tu ne sais pas faire ça, d'ailleurs, les langages là, vont tellement évoluer que si tu n'apprends pas à la base maintenant, tu seras perdu dans le futur. Mais ça là, tout le monde au Gabon, tous les cursus doivent avoir ça. Même si c'est littéraire, tu dois apprendre à coder et développer ça chez nos enfants. Parce que ça va te permettre de développer justement les outils qui vont nous permettre de non seulement nous vendre mieux, nous communiquer mieux, mais rentrer dans l'ère de l'information comme il le faut. Voilà. Ben écoute, ouais, ton mot de la fin, et si... C'est-à-dire, j'ai envie de dire que je vais te donner deux mots de la fin. C'est-à-dire, un jeune Africain qui va tomber sur cette vidéo aujourd'hui parce qu'elle va passer en premium sur YouTube dans la semaine. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Quel est le message que tu peux lui dire aujourd'hui? C'est-à-dire, ce jeune-là, Africain ou Gabonais, mais qui est dégoûté par rapport au fait que son gouvernement ou bien les gens qui sont censés aider ne jouent pas leur rôle. Quel est le message d'espoir que tu peux donner à cette jeunesse-là aujourd'hui? Donc, c'est compliqué, hein, mais non. Je vais essayer. Voilà. C'est-à-dire, dans quoi est-ce qu'elle peut s'accrocher? Voilà. On a une grand-mère ici là, qui s'appelait Maya Angelou. C'était une artiste, une poétesse. Elle est morte il y a quelques années. Et elle disait quelque chose que j'aime beaucoup. Elle dit que lorsqu'une situation te déplaît, change-la.
Et lorsque tu n'es pas capable de la changer, change ton attitude par rapport à la situation. Donc, si c'est une question de un mur, on sait que oui, la foi bouscule les montagnes, tout ça. Mais si tu vois que c'est une montagne et que là, tout de suite, sur le moment T, tu n'as pas la capacité de changer cette chose-là, c'est à toi de changer ta façon de voir les choses et de voir comment tu peux attaquer le problème d'une façon différente. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de dire que l'environnement dans lequel tu es né n'est pas, ce n'est pas nécessairement la chose qui définit ou qui détermine ta vie et ton futur. Tu peux être né dans la plus grande opulence et être un vaurien. On en connaît beaucoup. Et tu peux être né dans la plus grande adversité, dans les plus grands problèmes. Et c'est ça, là. Et le fait de battre ces obstacles-là un à un, tu vas abattre ces obstacles-là. C'est ce qui va faire que quand tu arriveras à maturité, tu seras un être humain exceptionnel et capable de faire beaucoup de choses que pas beaucoup de gens sur le reste de la Terre seront capables de faire. Donc c'est à toi de décider, à toi de choisir ce que tu veux faire. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux faire quelque chose, si tu as un rêve, si tu as vu quelque chose dans tes rêves, dans tes envies, n'importe quoi, même si c'est à la télé et que c'est quelque chose qui t'intéresse, qui parle à ton esprit, toi, jeune Africain, tu peux le faire. Tu peux le faire. Maintenant, autour de toi, le premier obstacle que tu auras, ce sera les gens autour de toi. Parce qu'autour de toi, pas beaucoup de gens seront d'accord avec ton rêve et pas beaucoup de gens comprendront ton rêve ou ta personnalité. Ils vont te prendre pour un fou ou pour une folle. Toi-même, dans ta tête, dans ton esprit, tant que tu es un être humain décent, tu sais que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Poursuis ton rêve et c'est seulement dans tes réalisations que tu pourras prouver à ces gens-là qu'ils se sont trompés. Mais ils ne font pas exprès. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas. C'est pas nécessairement des sorciers qui veulent te. Non. Eux aussi font partie de l'environnement que Dieu a décidé de mettre autour de toi pour te développer. Maintenant, est-ce que tu vas répondre au challenge? Ou est-ce que tu vas te recroqueviller, rester à l'intérieur de toi, pleurer en disant Dieu, pourquoi tu me fais ça? La voisine ne m'aime pas, papa ne veut pas, maman ne veut pas, le pays est foutu, le gouvernement, machin. Si tu pars comme ça, alors tu restes dépendant de ces choses-là. Et c'est comme si tu définissais que ta vie existe seulement grâce à ces choses-là. Or, ce n'est pas le cas. Ces choses-là existent. Et toi, tu existes aussi. Maintenant, ces choses-là se développent et toi aussi, tu peux te développer. Mais la force que tu recherches, là, c'est à l'intérieur de toi. Et il va toujours y avoir au moins une, deux, cinq, 10 personnes dans le monde que tu devras chercher et que tu trouveras qui pourront t'emmener toujours un peu plus haut. Donc voilà, ça c'est mon premier message. C'était très plein d'espoir et surtout très, très plein de bonté. J'avoue que moi, j'en ai tiré quelque chose de positif forcément. Et je suis sûr que le jeune qui va tomber dans cette vidéo-là va le faire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire maintenant? C'était à la jeunesse. Maintenant, aux personnes adultes qui sont restées en Afrique, qu'est-ce que tu peux leur donner comme message pour la fin? Ben écoutez, moi je suis un adulte, hein. Je suis un adulte, comme je vous ai dit, j'ai plus de 40 ans. Donc quand je m'adresse à eux, je m'adresse à mon miroir, à nous-mêmes. Nous arrivons à un point où j'ai regardé un documentaire avec Ampaté Ba, je pense, Amadou Ampaté Ba, en tout cas un vieux sage de l'Afrique de l'Ouest, qui donnait comment la société africaine se développe et de quel âge à quel âge, qu'est-ce qu'un homme fait. Tu as un moment dans ta vie pour développer pas mal de choses et pour accomplir beaucoup de choses. Et puis tu as un moment dans ta vie où il ne s'agit plus de toi. Tu avais l'énergie, tu avais le temps, tu avais les machins. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas fait.
Mais maintenant, tu es là pour accompagner, pour ouvrir les portes, pour protéger, pour promouvoir, pour pousser, pour encourager, pour créer les conditions pour que les autres, donc les générations futures, aillent encore plus loin, soient encore plus grandes, soient encore plus fortes. Et c'est ça pour moi un adulte. Donc, tu n'es pas obligé d'oublier ton rêve ou tes rêves, parce que beaucoup des exemples que nous connaissons ici, ce sont des gens qui, après 50 ans, 60 ans, 80 ans, ont accompli des choses que, magnifiques et sont devenus. Il y a des gens qui ont vécu leurs rêves et qui ont accompli les plus grandes choses de leur vie, littéralement dans les 5-10 dernières années de leur vie. Donc, un adulte ne doit pas être interdit de rêver. Un être humain, même si c'est un grand-père, ne doit pas être interdit de rêver. Par contre, à un certain âge, à un certain niveau de maturité, tu as vu beaucoup de choses, tu as traversé beaucoup de choses, et tu as autour de toi beaucoup de gens, beaucoup de jeunes esprits qui n'ont pas vu ces choses, qui n'ont pas traversé ces choses, et qui donc bénéficieront d'une façon ou d'une autre de ton enseignement, de ton témoignage. Et donc de leur montrer les raccourcis pour éviter, en leur donnant des conseils, pas nécessairement en forçant les choses, en leur disant, toi, faut faire, la force ne marche souvent pas dans ces choses-là. Mais tu peux donner des conseils, et eux, ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est l'expérience, parce qu'il n'y a pas de meilleur professeur que l'expérience. Donc ils iront, ils vont essayer, et s'ils essayent ce que tu dis, ça va marcher, ou s'ils essayent, ils ne font pas, ils font l'opposé de ce que tu dis. Et ils se cassent la tête, là aussi ils apprendront. Mais tout ça fait partie. Et même s'ils se cassent la tête, là, ça leur montrera que la prochaine fois qu'ils voudront faire quelque chose, il faut écouter le grand frère ou la grande sœur. Donc ils reviendront vers toi en disant, tu avais raison, maintenant là je suis là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu me recommandes? Donc c'est ça mon message pour les anciens, en fait. Ok, merci beaucoup Waïda Majas, ce fut un plaisir. Merci, merci, merci beaucoup. Le plaisir est mien, François. Franchement, c'est beaucoup. J'aime beaucoup vraiment ce que tu fais et je te salue encore une fois. J'espère que les gens comprendront et seront capables de voir à quel point spécial est ce que tu essaies d'accomplir, qu'ils vont pouvoir épouser le message parce que on a besoin de ce que tu fais là et ce que tu fais là a besoin aussi des gens. Pour qu'ils puissent donner leur feedback, pour qu'ils puissent donner leurs opinions et surtout pour qu'ils puissent partager leurs expériences, parce que c'est comme ça que on apprend et qu'on va plus vite. La dernière chose que j'aimerais dire, parce que, excuse-moi, je vous parle beaucoup, mais Vas-y, vas-y, après, c'est ton interview, c'est ton interview. Vas-y, voilà, vas-y. on a les choses à dire. Lorsqu'on parle de l'ère de l'information, lorsqu'on parle d'Internet, on parle de la connaissance. La connaissance, c'est ce que l'humanité a essayé de faire lorsqu'ils ont créé l'école. En disant, la connaissance, on va mettre ça dans des choses qu'on appelle des livres, bien dans les cerveaux des gens, et puis on va donner ça, et puis les gens vont pouvoir apprendre comme ça. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est qu'en faisant toujours la même chose, ça a créé donc des gens qui ont plus ou moins les mêmes capacités. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'éducation, donc là on revient au ministère de la Rééducation, l'éducation est quelque chose de très important. Sauf qu'il ne faut pas comprendre ça en tant que l'éducation de l'école, psycholo. Il faut comprendre ça en tant que l'éducation de la vie. Moi, j'ai fait tous les cursus secondaires, universitaires, machin. J'aurais pu aller plus loin, mais je ne suis pas allé plus loin. Sauf que dans mes expériences professionnelles, par exemple, où je travaille, dans les compagnies dans lesquelles j'ai travaillé, certaines des positions que j'ai eu des gens qui sont allés dans des écoles beaucoup plus prestigieuses, qui ont fait des programmes beaucoup plus prestigieux, et qui, normalement, si on mesurait seulement le côté intellectuel, sont supérieurs à moi. Mais quand on est sur le terrain et quand il faut travailler, ils ne pouvaient pas me toucher. C'est pour ça que j'étais leur patron. Alors que je n'ai pas fait toute l'école là, tu vois. Mais le peu d'école que j'ai fait,
les voyages que j'ai faits, les problèmes dans la vie que j'ai rencontrés, les petits boulots que j'ai faits, les grands boulots que j'ai faits, tout ça en fait de moi la personne que j'ai, l'intelligence que j'ai, qui fait que quand j'arrive dans une compagnie, je peux comprendre ce qui se passe et donc je peux donc emmener ma valeur, la plus-value, et aussi faire reconnaître en quelqu'un ce que cette personne peut apporter et l'emmener pour faire une entité plus forte. Donc ce que j'essaie de dire, c'est la connaissance est quelque chose de très important. Internet, c'est des millions de bibliothèques. N'hésitez pas à apprendre parce que le travail, le travail, le travail, il n'y a que ça de vrai. Et même si ce n'est pas le travail physique, c'est le travail mental. Il faut demander à Warren combien de temps il passe à pouvoir accomplir ce qu'il fait là. Mais si vous n'apprenez pas assez de choses dans les trucs qui vous intéressent à l'école, ce n'est pas grave. Faites ce que vous devez faire à l'école, mais quand vous sortez de là, passez le temps à apprendre ce qui vous intéresse là. Parce que c'est cette connaissance qui fera de vous, donc, qui vous donnera une supériorité, qui vous donnera un avantage sur d'autres personnes qui n'auront pas cette connaissance-là. Et c'est avec cette connaissance que cette éducation que vous allez pouvoir faire briller votre esprit. Tu vois? Bien Mais c'est sûr. très, très important parce que au Gabon, par exemple, je te donne un dernier exemple. Au Gabon, on a lu quelques livres par-ci, par-là, au lycée et tout ça, machin, mais ce n'était pas trop ça. Quand je suis arrivé en France, frangin, les gars avaient un rythme hein, où c'était un truc de peut-être 10 livres par an, ou un truc comme ça. Là. Donc, les gars lisaient, et quand tu lis, il y a le contrôle, il faut dire ce que tu as lu dans le livre. J'étais trop moutoukou dedans parce que ça ne m'intéressait pas de lire. Mais maintenant, bon, après, j'ai rattrapé un peu, j'ai appris tout ça, tu vois. Mais maintenant, en tant qu'adulte, quand j'ai avancé un peu, je me suis remis à ne pas être trop dans les livres. Moi, c'est plutôt l'expérience de la vie, les vraies choses, tu touches, tu vois, etc. Mais maintenant, en tant qu'adulte, maintenant, en tant que un homme qui est à moitié jeune, moitié vieux, je me rends compte qu'un livre, lorsque quelqu'un prend son énergie, son expérience de vie, tu vois. Pour, par exemple, ce livre-là, quelqu'un prend son esprit, son talent que Dieu lui a donné pour mettre ça dans un livre. En fait, c'est comme une vie. Tu vois? Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi de voir que il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de pays à rencontrer, des gens à rencontrer, de beaux esprits, de pays, de cultures, que une vie, c'est pas suffisant. Tu peux finir 100 ans et il y a encore 10 millions de choses à découvrir. Tu vois, non? Un livre te permet de prendre un raccourci parce que la vie additionnelle là qui te manque, c'est dans le livre de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on comptait par exemple en termes de vie et que tu disais que bon, pour avoir la capacité de connaissance que je veux avoir, il me faut 5 vies. Alors, si tu as une seule vie, tu prends 4 livres. Chaque livre est une vie. La connaissance est dedans. Tu comprends? Et ce n'est pas seulement les livres machin, il y a aussi les livres en ligne, mais surtout ceux-là. Ça te permet de ne pas. C'est comme si tu avais une grand-mère derrière toi qui te disait pour ne pas tomber dans le trou et ne pas rentrer dans le feu. Voici la route que tu prends, voici le raccourci que tu prends. C'est dans le livre, là. Mais la grand-mère sait ça parce qu'elle a déjà vécu ça, tu vois, non? Eh bien, les livres, ce sont les témoignages des gens qui ont déjà vécu. Et donc, c'est comme ça que quand tu lis ça et que tu prends goût à ça, les moments où tu arriveras dans les endroits de la vie où tu n'as jamais été et les difficultés que tu n'as jamais eues, parce que tu auras déjà une inspiration d'ancêtres. Ça peut être des blancs, des noirs. On est tous les mêmes, hein. Il n'y a pas beaucoup de races. Il y a une seule race, la race humaine. Et ils t'ont déjà donné la clé. Mais si tu ne lis pas, faut savoir que tu as la solution à ton problème, mais c'est toi qui refuses le machin. Et dans ce cas-là, de ce que j'ai compris de la vie et de Dieu, c'est pas son problème, hein. Il t'a donné la connaissance. Voilà. Donc, j'exhorte les frères et les sœurs, les grands frères, les petits frères, les enfants, à lire, pas seulement pour l'école, pas seulement
comment dire ça, pour essayer d'épater les gens, mais pour prendre de l'avance. Parce que la science est dedans. Et si tu veux savoir ce que Warren sait sans pouvoir aller aux États-Unis, tu peux voyager avec ça. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le colo pour prendre l'avion, machin, tu prends un livre, ça t'emmène en France directement. Tu prends un livre, ça t'emmène en Chine. Tu peux apprendre le chinois en restant chez toi au village. Donc, ces livres-là, c'est important. Maintenant, les entités comme les gouvernements et les autres là, permettez à nos enfants d'avoir des livres, permettez nous qui sommes à la diaspora dehors d'envoyer des livres et donnons ça au peuple. Voilà. Waouh! Tellement de choses à dire. En tout cas, c'était la première partie. On pourra venir et on pourra refaire ça. Et en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Wydah Maja, a.k.a. Yorick. On a essayé de parler un peu de son histoire. Et vous voyez clairement qu'une heure ne suffit pas pour parler de son histoire, de son expérience. C'est la raison pour laquelle on va revenir et parler de ses différentes activités. Et il a soulevé un trait très important, c'est-à-dire l'importance de la lecture. Et même là, je m'en viens de dire que tu m'as inspiré à faire des vidéos sur la lecture. Je reviendrai sur la chaîne YouTube avec des vidéos qui incitent les gens à lire en fait. Et ça, je pense que tu m'as inspiré là-dedans. Et c'est vrai, dans notre communauté, beaucoup de personnes ne lisent pas assez. C'est bien dommage. En anglais, ben écoute, Yorick, à la prochaine. Ouais, merci beaucoup. En anglais, ils disent ça, hein, « readers are leaders ». Donc, les gens qui lisent deviennent les leaders de demain. C'est important, il faut lire, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est pas seulement la lecture, c'est l'information et c'est la connaissance. Or, le peuple noir, le peuple kamite, je ne sais pas pourquoi, mais pour des raisons historiques, nous avons décidé de ne pas trop écrire. Et donc, nous avons décidé de garder les choses oralement. Ça veut dire que pour avoir le livre de l'histoire de ton village, aucune bibliothèque en France ou aux États-Unis ne vont peut-être te parler de ça. Donc, il va peut-être falloir partir au village et écouter le vieux, écouter la vieille, écouter les gens qui ont vécu tout ça et qui savent, et puis poser les questions. Et ce qui me ramène donc aussi à la boucle, pour boucler ce truc-là, je vais aider un peu mon petit frère Warren en disant que, vu que vous savez qu'il y a la deuxième partie, poser les questions, comme ça on utilisera la deuxième partie pour développer autour de ces questions-là. Bien sûr, bien sûr. En fait, le but, c'est de faire en sorte que quand ça va apparaître, les gens vont poser les questions et on va préparer la deuxième partie, ce sera maintenant en live, en fait. Voilà, là où les gens pourront intervenir. Voilà. Ben écoute, en tout cas, on se dit à la prochaine. On ne se dira jamais assez au revoir. On a tellement de choses à dire, par exemple, laquelle on va le refaire. En tout cas, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Il faut aimer l'Afrique. Hein. L'Afrique, c'est bon. Quoi. Et personne ne nous aime. Donc, si nous-mêmes, on ne s'aime pas vraiment, ça, le match est fini. Aimons l'Afrique. Aimons-nous nous-mêmes. Quoi. On est ensemble. Ciao.